Hello, nous sommes vendredi, il est 10h30. Je suis depuis genre une heure, j'ai regardé Plus belle la vie, des petites vidéos sur YouTube, des petits commentaires parce qu'il y a mon nouveau vlog qui s'est publié là à 10h. Mais là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller monter les vlogs parce que là, il y a le vlog qui s'est publié, il y a un vlog qui s'est publié, mais j'en ai pas de monter. Enfin, les prochains ne sont pas encore montés. Donc il va falloir s'activer. Je pars dans 3 jours, enfin, je pars lundi, pour 2 semaines. Donc il faut que je m'avance, voilà. J'ai encore des vidéos à filmer, je sais pas encore exactement ce que je vais filmer. Mais il faut vraiment que je m'organise pour filmer bien en avance. Parce que je pars 2 semaines de suite, pas chez moi, bien sûr. Puis je reviens une semaine, puis je repars au Portugal, puis ce sera la rentrée. Donc il faut vraiment que je filme beaucoup et que, voilà, que je m'avance bien dans les vidéos. Ça y est, je viens de monter un vlog et je vais vous montrer un truc. Parce que ça y est, le meuble est complètement construit là pour mettre mes parfums. Et j'ai mis mes parfums hier dedans. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, franchement, il est vraiment très très grand. Et du coup, j'ai pu mettre tous mes parfums. Donc vous pouvez voir que j'en ai plutôt pas mal de plein de marques différentes. Parce que je kiffe les parfums, vraiment. Bon, il reste encore à peine de place. Genre là, il y en a que deux, je pourrais serrer et tout ça. Mais voilà, franchement, j'ai plutôt pas mal de parfums et... Comme je vous le dis, j'adore. Et ceux-là, ils ne rentrent pas. Faudrait que j'en leur enlève les bouchons. Ouais, sinon, il faut que je leur enlève les bouchons pour qu'ils rentrent, quoi. Ils sont trop grands. Il faudrait que je range mon rangement maquillage, parce que là, c'est vraiment la catastrophe. Il reste encore pas mal de bazar, hein. C'est là-dedans qu'il y avait mes parfums. Et il y a une araignée, genre morte. Elle m'a fait trop peur hier. Je sais pas si... Elle est où? Elle est là. Du coup, j'ai encore pas mal de parfums. De parfum, de bazar rangé. Bon, sinon il fait vraiment très beau aujourd'hui. Ils annoncent encore genre 36, je crois. Hier aussi c'était pareil. Et hier on est allé au Sceau du Doubs et au lac de Neuchâtel qui se trouve en Suisse. Et c'était vraiment trop bien. J'ai filmé pas mal de petits plans. J'aimerais bien voir si j'ai assez de plans pour vous faire un petit vlog comme ça avec de la musique. Parce que moi j'aime bien, même si je sais qu'il y a beaucoup de monde qui préfère les vlogs blabla que les vlogs comme ça. Mais moi j'aime bien me faire plaisir à bien monter des petits vlogs. Voilà. Du coup là en attendant je sais pas ce que je vais faire. J'ai plein de trucs à ranger mais j'ai tellement pas la motive. Heureux, j'ai remonté encore deux vlogs. Là j'ai mangé le reste de la salade qu'on avait mangé, qu'on avait fait le pique-nique. Enfin j'ai pas tout à fait terminé. Là j'en peux plus. Et je vais même manger un bout de pastèque. Voilà, mais du coup je sais pas ce que mon copain va manger, faut que je lui envoie un message. Bref, il fait chaud, je suis vraiment ralentie. Du coup je regarde Pékin Express aussi. En fait, j'ai regardé l'épisode 2 l'autre coup en allant me coucher. J'aime bien regarder des émissions, tout ça. Et je me suis mis ça et en fait, jamais trop trop suivi Pékin Express. Et là, j'ai trouvé ça cool donc je regarde l'épisode 3 là. Voilà. Et il y a un avion. Non, mais les gars, faut que je vous raconte une nouvelle aventure de mes boulettes. Je reçois un SMS de ma mère qui me dit: t'aurais pas perdu ta carte d'identité. Donc là, je me dis: bizarre et tout. Bah, elle est dans mon portefeuille. Et là, je l'ouvre. Pas de carte d'identité. Je me dis, bah, bizarre. Et après, elle me dit, bah, elle est où? Et je lui dis, bah, si tu me demandes, c'est que tu sais. Donc, moi, je lui dis, peut-être que je l'ai oubliée chez mes parents, qu'elle est tombée de mon portefeuille, tout ça. Elle me dit, je viens de la recevoir par courrier. Donc, là, je me dis, peut-être que je l'ai fait tomber, genre, dans un magasin ou un truc comme ça. Et je crois qu'il y a l'adresse sur la carte d'identité. Et que quelqu'un l'a renvoyée chez moi. Et en fait, c'était ma mutuelle qui disait que j'ai, sans faire exprès, glissé ma carte d'identité avec les factures que je leur envoyais l'autre coup. Mais je suis vraiment un boulet. Comment? En fait, je comprends pas comment elle a pu arriver avec ça. Je comprends pas. Et là, elle demande, elle me dit, demande s'ils n'ont pas ton dossier du CHU, tu l'as pas retrouvé, mais j'ai oublié de lui dire que je l'avais retrouvé. Bref, je suis vraiment un boulet, mais comment j'ai pu glisser ma carte d'identité avec des factures? Je. J'ai pas compris. Bref, je suis vraiment un boulet dans ma vie. Heureux. Bon. Ah, la casquette est coincée dans mon chignon. Je me suis fait un chignon bas pour mettre la casquette parce qu'il est quand même chaud dehors. Donc je me suis posée un petit coup dans la piscine, puis après un petit coup pour sécher à côté. Là je vais me faire mon goûter. Je pense que ça va être une grosse crêpe, je sais pas, j'hésite. J'hésite, j'hésite parce qu'il fait quand même chaud, mais il me reste une banane qu'il faut absolument que je finisse qui est dans la fin de sa vie. Donc je pense que je vais me faire ça, comme ça on n'en parle plus. Parce que si je pars et que je la laisse, je sais que mon copain ne va pas la manger. Voyez-vous sa tête? Et normalement, il y a Lily qui vient dormir ce soir, donc j'ai trop hâte. Je vous ai demandé si vous aviez des idées de vidéos à filmer. Pour l'instant, il n'y avait qu'une réponse sur Twitter. Donc je vais voir s'il y a d'autres réponses, mais sinon je verrai avec la Lilette. Il y a des mouches partout, il fait trop chaud.
Bon, je viens d'aller poster les lettres des abonnés, sauf une qui vient de la Suisse, parce qu'il faut que j'aille dans la poste pour acheter un timbre spécial. Et sinon, là, je crois que je vais faire la vaisselle, parce qu'en fait, les mouches, elles viennent manger dans les restes des assiettes, les trucs comme ça. Et je suis allée jeter aussi les poubelles, parce qu'il y avait genre une boîte de thon, il y avait genre 20 mouches à l'intérieur. C'est horrible. Bon, je reviens, il est quelle heure? 18h30. J'ai mangé un peu plus que la crêpe pour mon goûter. J'ai mangé une tartine de guayotte et une tartine de beurre cacao. Faut que j'arrête. C'est trop bon la nourriture, les gars. Je viens de me reposer un petit coup dans la piscine. Et ensuite, je me suis posé un petit coup pour lire. Enfin, j'ai lu dans la piscine. Puis après, j'ai lu en dehors de la piscine pour sécher un peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu. Parce que c'est un petit peu le bazar. Voilà. Je vais faire ça devant des petites vidéos sur YouTube. Bon, il est 19h05. Je vais aller faire à manger. Je pense savoir ce que je vais faire. Donc je vous avais dit ce soir il y a ma soeur qui vient, enfin ma soeur emmène ma soeur, Lou emmène Lily. Parce qu'avant elles vont au laser game et vers 21h30 du coup elle va venir. Et j'aimerais bien aller à la salle ce soir faire du cardio un petit peu parce que histoire de reprendre doucement même si je vais partir à Bordeaux et tout. Je sais pas s'il y a, je crois qu'il y a un Liberty Gym à Bordeaux, faut qu'on me renseigne, je demande à Noéline. Bon après si j'y vais c'est pas que pour aller à la salle mais voilà ça pourrait être cool qu'on y ait à voir. Et du coup là je vais préparer à manger. Comme ça j'aurai le temps d'aller à la salle avant que Lily arrive. Et il y a l'éclipse, à quelle heure déjà? Ce soir il y a l'éclipse lunaire. À quelle heure j'ai vu? Non, sera son apogée à 22h20. Elle commence à 21h30 à Lille. Donc du coup par rapport à chez moi je sais pas si c'est plus tôt ou plus tard. Mais comme ça faudrait que j'aie le temps d'aller à la salle, de me doucher, comme ça quand Lily arrive et ben, on pourra regarder l'éclipse. Voilà, voilà, voilà. Ils disent que le phénomène sera observable jusqu'à 23h15, donc ça laisse encore un petit peu de temps. Je pense que je vais faire... J'ai besoin de légumes là, vraiment, je vous jure, j'ai mangé trop n'importe quoi tout à l'heure. Du coup, j'ai encore le ventre à moitié plein. Alors, on a des courgettes, donc je vais faire, je pense, des courgettes. On a aussi des... Il y a des gnocchis, mais du coup, je me demande si j'attends pas... Enfin, si on les fait pas quand il y a Lily, plutôt. Mais sinon, on a des petits knackis. Je vais peut-être faire courgettes, knacky et un petit peu de pâte. Voilà, simple et efficace. Et ces petits knacky sont plutôt pas mal. Et puis pour deux saucisses, vous avez 11 grammes de protéines. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je trouve que c'est très bon. Et le goût quand même, ça se rapproche vraiment beaucoup des knacky de viande quoi. Bon, c'est quasiment terminé. Donc je vais vous laisser pour ce vlog, je vous laisserai peut-être après avec quelques petites images de l'éclipse, tout ça si j'arrive à en avoir. Je vous fais des très gros yeux, je vous dis à plus tard pour un prochain vlog,